Hello, hello. Daniel Gom, Mario, bonsoir. Hello. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Mylène, bonsoir. Très belle. Merci. Merci Daniel. Merci, c'est gentil. Bon, espérons qu'on aura un peu de calme ici pour parler. Et un peu de lumière. Voilà. On espère. Je ne sais pas si c'est, vous arrivez à me voir, c'est clair. Il y a un thème là qui me chauffe. Il faut que je trouve comment. Comment m'entretenir avec vous? Ça, il faut que je trouve ça. Hello, hello. Hello, hello. Je bois du gingembre. C'est piquant, c'est trop bon. C'est trop bon. Qui à Bamako là vient dîner avec moi? Qui à Bamako là? Emmanuel, bonsoir. Antadou, bonsoir. Angèle JP, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. J'ai vu le buzz de la semaine, l'effet d'hiver. Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai vu le buzz de la semaine là. Mais j'étais prise, j'avais soif de parler. Je disais, mon Dieu, trouve-moi 10 minutes pour parler. Il n'y avait pas moyen. Sophie, top, bonsoir. Pour être polygame, il faut avoir les moyens. Ben, malheureusement, souvent, c'est les hommes qui se cherchent encore. C'est les hommes qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Moi, j'ai remarqué, c'est un constat. Hein, qui cherchent toujours à être polygame. Ils se créent des problèmes eux-mêmes. Ils cherchent leur propre mort eux-mêmes. Tu ne sais pas pourquoi. Voilà, tout simplement parce qu'ils sont égoïstes. Voilà, ils veulent tout goûter, ils veulent tout manger. J'ai vu des vidéos qui circulaient là sur les réseaux sociaux. Voilà, qui circulait sur les réseaux sociaux, la dame qui a refusé de signer polygamie. Mais si je rencontre la dame là, elle mérite une couronne de reine. La dame là mérite une couronne de reine. Oui, 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 elle mérite une couronne de reine. Et je vois les gens qui disaient que, oh, après, oh, c'est 10 ans de concubinage, c'est combien? Tu as perdu. Perdu quoi? Perdu quoi? Perdu qui? Hum? Et je vois cette femme là, hein? Cette femme-là qui mérite d'être reformatée, qui mérite qu'on formate son cerveau. Oui, voilà, cette femme-là qui a perdu sa couronne de reine, la Tisa. Oui, qui vient signer. Maman, comment les hommes vont vous respecter? Hmm? Vous dites que nous, on fait les vidéos, on pousse les hommes à ne pas vous respecter, on pousse les hommes, c'est vous-même, vos attitudes. Comment les hommes, l'homme va respecter la femme? Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans les foyers handicapés, les foyers dont les bases, voilà, dont les fondations sont fausses. Et demain, quand le mari, là, ce monsieur-là, commence à te manquer de respect, tu cries partout, oh, les hommes sont mauvais, oh, le monsieur me manque de respect. Mais quelles sont les fondations de votre relation? Quelles ont été les bases? Quand tu entres dans un foyer, hein, par la fenêtre, tu entres dans un foyer par le plafond. Maman, tu vas souffrir dans ce foyer. C'est pas moi, c'est la réalité de la vie. Oui, c'est la réalité de la vie. Un homme qui t'épouse de cette façon-là ne t'accorde aucun respect. Et oui, vous pensez que c'est l'acte de mariage est suffisant pour le mariage, hein, pour la vie à deux. L'acte de mariage est suffisant. L'acte de mariage est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Ben oui, parce que le vrai challenge, c'est de pouvoir vivre au quotidien et rester marié. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est après le mariage. Hmm? Oh, vraiment, c'est triste. Moi, j'ai beaucoup de peine pour cette femme-là, cette maîtresse-là. On ne peut pas se laisser, voilà, épouser comme ça, comme si on est tombé du ciel, comme si on n'avait pas de famille, soi-disant parce qu'on a gagné l'homme. Quel genre d'homme? Il y a homme et homme. Tu as gagné le cœur d'un enfant, tu as gagné le cœur d'un garçon. Ce monsieur n'est pas un homme. Oui, ce monsieur n'est pas un homme. Eh oui, ce monsieur ne mérite pas toutes ces deux femmes-là. Aucune de ces femmes-là ne mérite ce monsieur-là.
aucune de ces femmes-là. Hein? Comment les hommes vont vous respecter si vous vous comportez comme ça? Hein? Aujourd'hui, histoire de mariage, là, je milite pour le mariage, mais je dis toujours aux femmes, mariez-vous bien. Mariez-vous bien. On ne se marie pas pour souffrir. C'est pour ça que vous souffrez dans les foyers. Parce qu'on vous fait entrer dans les foyers par la petite porte, par le plafond. Vous atterrissez dans les maisons des hommes comme, je ne sais pas, comme les souris. Comme les souris. Et c'est comme ça qu'après 3 mois, 6 mois, le gars commence à te manquer de respect. Il commence à t'insulter. Si vous continuez de vous comporter comme ça, les femmes, comme ces personnes, ces femmes-là, sans valeur, sans dignité, les hommes vont toujours continuer de vous mater et de vous manquer le respect. Oui, ça c'est clair. On ne peut pas rire d'un homme qui, je ne sais pas, féliciter un homme qui humilie une autre femme en public. On ne peut pas. Un homme ne peut pas faire 10 ans, c'est 8 ans de concubinage avec une femme pour signer quelque chose qui est de droit. Voilà, pour valoriser cette femme-là après tant d'années, après tous les efforts qu'elle a fournis dans sa vie. Il vient encore dire que polygamie. Je sais que tu ne veux pas polygamie, tu laisses. On ne peut pas, oui, applaudir ce genre d'homme. Ce genre d'homme ne mérite même pas une femme, ne mérite pas qu'une femme l'accepte. Mais aujourd'hui, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Les femmes se réjouissent quand on humilie une autre femme. Moi, je peux venir signer polygamie. Hein? Je peux venir signer polygamie avec un homme qui est en train d'humilier aux yeux du monde entier une autre femme. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de principe. Oui, vous n'avez pas de principe. Vous vivez pour le mariage. Vous n'avez pas de mission de vie. Et oui, voilà quand on ne connaît pas son identité. Voilà ce à quoi on se retrouve. On se retrouve les femmes qui vivent que pour le mariage et que pour l'homme. Elles sont prêtes à tout. Oh, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Moi, c'est la question que je me pose. On dit que oh, la femme légitime, là, elle a perdu. Elle a perdu quoi? Vous en savez quoi du lendemain? Hein? Qu'est-ce que vous en savez du lendemain? Elle a perdu quoi? Moi, je voudrais même dire qu'elle a perdu son temps chez ce monsieur-là. Je donne encore raison. C'est pour ça que quand on vous dit que ne restez pas en concubinat pendant 10 ans, vous pensez que c'est la blague. Un homme qui garde une femme en concubinat pendant 10 ans, c'est un homme qui n'aime pas cette femme-là. C'est un monstre. Ben oui, voilà les raisons pour lesquelles on vous dit, ne donnez pas votre jeunesse aux hommes comme ça sans qu'ils ne vous légalisent. Parce que ce genre d'homme-là, il se comporte comme ça, pourquoi? Parce qu'il sait que, oui, elle est vieille déjà, elle a un certain âge, elle a les enfants, elle ira encore où? Ce genre de mentalité-là, voilà, c'est pourquoi il ose se comporter de la sorte. Quand on vous dit, ne donnez pas votre jeunesse, 5 ans de concubinage, c'est trop. 10 ans, alors, c'est la catastrophe. Ne donnez pas et ne faites plus les enfants aux irresponsables, aux garçons. Vous dites que, oh, vous maîtrisez. Voilà les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Et on a ces femmes à côté aussi, sans valeur, sans dignité. Oui, qui sont toujours prêtes à ramasser les miettes pour avaler, pour manger. Tout simplement parce qu'on veut le titre de madame. Mais à quel prix? Être madame, ben, c'est une très bonne chose. Ben oui, je valorise, je milite pour le mariage. Mais à quel prix? Mariez-vous bien. Faites-vous respecter. Ayez un peu de dignité, ayez un peu de principe dans la vie. Un homme ne peut pas te prendre comme ça, comme si ça fait rien et toi tu acceptes parce que tu veux faire du mal à l'autre femme, parce que tu veux aussi montrer que tu as une alliance, ben tu seras la perdante. Cette femme-là, Dieu va faire son palabre. On ne peut pas, hein, on ne peut pas gaspiller la vie d'une femme comme ça et la laisser partir. Cette femme-là, Dieu va faire son palabre. Vous ne savez pas, c'est vous qui limitez Dieu. Dieu n'est pas limité. Il va réagir tôt ou tard. L'histoire n'est pas de se marier. Si il y a l'acte de mariage, là, c'est pas ça le problème. C'est après. L'histoire nous dira. Nous sommes sur les réseaux sociaux, non? Eh oui, on verra ce que cette femme-là va devenir, celle qui a signé l'acte de mariage. Elle pense qu'elle a gagné. Gagné quoi? Un irresponsable voudrait mieux être célibataire que de vivre avec ce genre d'homme-là. De la façon dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu vas partir. C'est ça que les femmes oublient. Tu entres par la petite porte, tu vas ressortir par la petite porte avec une grosse humiliation collée sur le dos. Parce que ce genre d'homme-là, il est habitué à humilier les femmes. Il va humilier cette femme-là. Donnez-vous un peu de valeur, les filles. Donnez-vous un peu de valeur. Et les hommes vont vous respecter. Les hommes respectent les femmes qui se respectent. Tant que vous continuez de vous comporter ainsi, les hommes n'auront pas de respect. N'auront pas de respect pour vous. Vous montrez aux hommes que vous êtes assoiffés du mariage. Vous êtes des femmes désespérées, sans valeur, sans dignité, sans trajectoire de vie. Voilà ce que vous montrez aux gens. Et vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Oh, les hommes ne me respectent pas. Les hommes me font ceci. À qui la faute? À qui la faute? Notre génération de maintenant, c'est à qui la faute? Vous dotez les hommes, vous épousez les hommes. Parfois, on ne vous dote même plus. Il y a des règles quand même à suivre.
il y a des règles à respecter, à suivre. Si tu veux qu'un homme te donne assez de valeur, il y a des règles à suivre. Un homme ne peut pas t'appeler, viens signer l'acte de mariage. Toi, tu cours comme ça, tu passes signer. Tu es une assoiffée, tu es une désespérée de la vie. Tu es une désespérée de la vie et demain tu t'étonnes que cet homme-là va te mépriser, va te manquer de respect, il va te mépriser 5, il va même ajouter les étoiles sur le mépris. Eh oui. Oh, c'est triste quand même, hein. C'est triste de voir des femmes. Quand moi j'ai vu cette histoire-là, j'ai vu la vidéo-là, j'ai dit que mais cette femme-là, non, il y a quelque chose. Il y a des femmes, il faut les fouetter avec l'arbre de paix. Il y a des femmes qui méritent d'être fouettées. Oui, tu comprends que ces genres de femmes qui méritent d'être fouettées. Contrairement à ce que vous pensez, moi je dis toujours, je milite pour l'épanouissement des couples. Ça, vous le savez déjà, ça fait des années. Je milite pour ces hommes qui se respectent, ces hommes qui aiment les femmes, ces hommes qui assument leurs femmes et qui se font malmener dans les foyers. Je milite également pour ces femmes-là, oui, qui se font maltraiter par les gamins. Moi, je ne les appelle pas les hommes, les petits hommes, les garçons, les hommes immatures. Mon souhait est que les gens se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment et voilà, ils se respectent mutuellement. C'est ça le vrai amour, c'est ça le mariage. Oui, c'est ça former une équipe. Voilà. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire de nos jours. C'est tout le contraire. Tout le monde veut se marier. Mais combien de personnes respectent le mariage? Respectent même les commandements du mariage. Tout le monde veut se marier. Mais combien vont respecter leur épouse là? Combien de femmes vont respecter leur mari? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un effet de mode juste. Les gens veulent se marier seulement pour paraître, pour dire aussi que oui, je suis, j'ai aussi réussi. Voilà, voilà, voilà. Vous comprenez? Ne vous mariez pas à tous les prix. Ne vous mariez pas à tous les prix. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. Aujourd'hui, on a cette histoire de polygamie. De polygamie. La plupart des hommes qui n'ont rien, ils veulent être polygames. Ça, ça m'a déjà dépassé. Tu es là, un homme. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Tu as une femme et les enfants qui vont à l'école. Tu n'arrives même pas à assumer. Parce que vous dites que Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois les êtres humains? Détrompez-vous. Voilà, tu n'arrives pas à assumer. C'est toi qui es dans le jupon des femmes au quartier. Oh, je suis polygame. Oh, je vais être polygame. Oh, je suis un bantou. Vous savez, dans les traditions, on ne prend pas tout. Dans les traditions, dans nos traditions, dans les cultures, il y a les bons, il y a le mauvais. On ne prend pas tout. Cette histoire de polygamie nous a créé assez de problèmes dans les familles. Que vous le vouliez ou pas, la polygamie déshonore la femme, la polygamie détruit les enfants, ça détruit le couple. Que vous le vouliez ou pas, la polygamie c'est une association de sorcellerie. Oui, oui, oui. Un homme qui entre dans la polygamie sait toutefois qu'il ne vivra pas longtemps. Ça, c'est ce que les hommes oublient. Mais comme ils sont égoïstes, certains, ils ont le gros cœur. Ils veulent tout manger. Ils veulent manger des choses dont ils ne peuvent même pas digérer. Voilà pourquoi ils sont sur cette... C'est de l'égoïsme, c'est tout. Voilà pourquoi ils sont là. Je veux être polygame, je veux être polygame, je veux être polygame, je veux être polygame. La polygamie vous donne quoi? Tu as une femme, tu n'arrives même pas à tout, ma. Je dis souvent, c'est toi qui as mal au rein, tu as l'éjaculation précoce. Tu n'arrives même pas à tout, ma, une femme deux fois par jour. C'est toi qui veux être polygame. Papa, tu as quel âge pour être polygame? Il y a même l'âge pour assumer les femmes sexuellement. Si tu es polygame et que c'est juste pour avoir le nom de polygame là, sache que voilà ton trio de femmes là, aucune n'est fidèle parmi. Parce que quand on se marie là, c'est aussi pour jouer, pour jouir, je sais pas, de l'intimité de son mari. Ben oui, vous voyez, mais c'est toujours les hommes qui ont l'éjaculation précoce là. C'est eux qui saoulent les gens avec cette histoire de polygamie. C'est toujours les hommes qui n'arrivent même pas à avoir un peu d'économie dans le compte en banque là. C'est eux qui sont dans les jupons des femmes au quartier que je veux être polygame. Au lieu de perdre votre temps et votre énergie, cherchez l'argent même déjà pour donner le sourire à vos épouses. Cherchez l'argent pour mettre vos enfants dans les grandes écoles. Cherchez l'argent pour habiller confortablement, pour nourrir, créer un avenir lorsque vous ne serez plus là aux enfants que vous avez déjà. Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est collectionner les femmes. Collectionner, c'est le gros cœur, c'est tout. C'est le gros cœur, c'est tout. Et je vois des femmes qui supportent. C'est toujours les femmes. Toujours les femmes. Même lorsqu'on veut sensibiliser les hommes, c'est toujours les femmes qui viennent s'interposer. Oh, pourquoi? Un homme est libre d'avoir n'importe quel nombre de le genre de femmes qu'il veut. Si une femme veut être polygame, c'est son choix. Maman, c'est ton choix. Mais vous n'êtes pas désespérée à ce point.
aucune femme ne mérite vivre dans l'ombre d'une autre. Aucune femme ne mérite manger les miettes d'une autre. Aucune femme ne mérite se retrouver en bataille tous les jours à cause d'un homme. Vous ne savez pas, la polygamie, c'est la bataille. Laissez-nous le folklore là que oh, nos parents étaient polygames. Nos parents étaient polygames dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Est-ce que nous, nous avons la même mentalité que nos parents? Nous, c'est nous, notre génération. Si émotionnellement là, nous sommes actives, troublées, on peut supporter la polygamie. Quelle est la femme? Moi, mais je ne peux pas supporter. Je ne vous manque pas. Je ne peux pas moi supporter. Peu importe le niveau de maturité que j'ai, je ne peux pas dormir sachant que mon mari dort ailleurs. Non, ça va seulement se gâter. Oui, 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 oui. Ça va seulement se gâter. Ça va nyangami, comme on dit souvent au quartier. Je ne peux pas. Oui. Mais nos parents d'avant, elles étaient très fortes. Mais ça a causé des dégâts dans les foyers. Les mamans sont décédées silencieusement avec le chagrin dans le cœur. Ben oui, il y a eu beaucoup de dégâts. La polygamie, c'est une association d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les foyers et polygamiques là. C'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, on s'entend. De nos jours là, on n'arrive même pas à s'entendre entre frères, entre frères et sœurs. C'est avec la coépouse avec qui on mange le même plantain qu'on va réussir à s'entendre. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et les hommes ne comprennent pas ça. La polygamie que vous allez organiser dans les quartiers là, vous mettez la vie de vos enfants, l'avenir de vos enfants, la vie de votre femme en danger. Parce que là où il y a la polygamie, il y a les médicaments qui surgissent, il y a les gris-gris. C'est vous-même qui poussez ces femmes-là à aller dans les maisons des marabouts, à aller chercher. Eh oui, oui, oui. Parce que quand tu te sens menacée, tu es première femme, une autre femme vient comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Les idées commencent à te venir en tête. Oui, je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser. C'est vous-même, vos attitudes. Tout ça pourquoi? C'est vous, vos attitudes. Vous poussez ces femmes-là comme ça à aller chercher les gris-gris et tout ça. Et c'est comme ça que vous mourrez. Vous mourrez vite. Notre jeunesse d'aujourd'hui, là, notre génération, 60 ans, ils décèdent. Mais pourquoi? Le gros cœur. Le gros cœur. C'est pas la polygamie qui va régler le problème de l'infidélité. Il y a des hommes qui ont 3 femmes et sont polygames. Ils vont toujours continuer d'être infidèles. C'est-à-dire, même si on lui donne tout le quartier, une population de femmes là, épouse, il va quitter, laisser ce quartier, il va aller dans un autre quartier chercher une autre petite fille. Ce n'est pas ça la solution. Oui, la polygamie ne résout pas le problème de l'infidélité. C'est des hommes, ils sont comme ça. Ils sont infidèles, c'est dans le sang. Ils sont égoïstes, voilà. C'est ça, ils aiment avoir tout pour eux. Ils aiment goûter, ils aiment changer. Ils aiment bien malmener les femmes. Voilà, ils aiment se sentir roi et sentir que la femme ne représente rien pour lui. Oui. Et que voilà, il peut se procurer toutes les femmes qu'il veut. C'est tout simplement ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Arrêtez de dire que oui, si la polygamie, un homme est polygame, au moins la coépouse saura que le mari est ici, au moins ça ne crée pas de problème et tout, il sera toujours infidèle. Eh oui, un homme a beau avoir 3 femmes, s'il a les gemmes de l'infidélité, il va avoir 3 femmes étant polygame, il va toujours trouver une petite fille quelque part, une tisa quelque part. Ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Donc, moi je suis à Bamako. À l'hôtel, c'est quoi, Radisson, je pense. Voilà, la personne qui veut me rejoindre, vient me rejoindre ici. La personne qui veut bagarrer aussi, vient, je suis là. Voilà. Je suis là. La personne qui a dit là, qui est trop fâchée là, tu viens me trouver, on va débattre. Voilà. Tu viens me trouver aussi, on va débattre. Voilà. La polygamie. La polygamie. Cherchez l'argent, occupez-vous déjà de vos femmes. Laissez l'histoire de la polygamie. Les hommes dans la Bible qui ont été polygames, ils ont fini, la plupart ont terminé, ont fini très mal. Voilà. La plupart ont fini très mal. La plupart ont fini très mal. Voilà, donc laissez l'histoire que, oh, la polygamie vous donne quoi? La polygamie vous donne quoi? Moi, j'ai signé monogamie. Hein. Déjà, en France, il n'y a même pas ça. Voilà, les histoires qu'on vient se marier en Afrique, là, parce que l'homme veut signer polygame, parce que, non, je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas moi dedans. Moi, j'ai signé monogamie.
Déjà, ça, la question ne se posait même pas parce que c'est automatique. Faites très attention. Hein. Les hommes aujourd'hui, certains sont devenus mal intentionnés. Certains hommes aujourd'hui sont devenus mal intentionnés. Donc faites très attention. Voilà. Ne forcez pas un homme à vous épouser. Ne forcez pas un homme à vous épouser. Si, quand l'homme veut épouser une femme, quand il aime une femme, il sait ce qu'il y a lieu de faire. Parce que c'est l'homme qui épouse. Vous comprenez? On ne lui dit pas tu dois faire ci, voilà ce que tu dois faire pour garder la femme. Voilà. Ils connaissent très bien ce qu'il y a lieu de faire. C'est lorsqu'il n'a plus de considération pour la femme, voilà que il fait n'importe quoi. L'homme connaît très bien ce dont la femme veut, ce qu'il peut faire pour retenir une femme, pour garder une femme. Ils le savent très bien. Tu ne peux pas faire 10 ans de, je sais pas, de concubinage avec une femme. Tu viens un matin dire que tu veux signer polygamie. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Vous comprenez? C'est la vraie sorcellerie. C'est les personnes qui se marient. Un homme, il se marie simplement pour remplir certaines conditions. C'est devenu comme une faveur. Pour lui, c'est une faveur. C'est tout simplement parce que, oui, il a passé du temps avec cette femme. Voilà, il le fait simplement. Voilà, parce que, voilà, la femme lui a donné les enfants. Il ne veut pas la laisser partir comme ça. C'est, en quelque sorte, c'est ça. Vous comprenez? Soyez intelligent. Soyez intelligent. Ne mourrez pas dans la maison d'un homme. Ne mourrez pas dans la maison d'un homme d'AVC. Voilà, un homme qui ne vous veut pas laisser lui partir. Les gens disent que cette dame a perdu. Perdu quoi? Vous m'amusez. Perdu quoi? Elle a perdu quoi? Cet homme ne mérite pas une femme. Un homme déjà qui garde une femme chez lui pendant 10 ans sans acte de mariage, il ne mérite pas cette femme-là. Il ne mérite pas cette femme-là. La femme-là a trop supporté. Il ne mérite pas cette femme-là. C'est juste parce que les femmes, tu as beau leur parler, elles vont jamais respecter les conseils. Sinon, ce genre de femme-là devait quitter la maison de ce monsieur-là. Oui, elle devait quitter la maison de ce monsieur-là. Partir avec ses enfants, aller vivre pour elle. Ben oui, aller vivre pour elle. Aller vivre pour ses enfants. Ben oui, mais loin de ce monsieur-là. Le monsieur-là ne les a pas respectés. Le monsieur-là n'a même pas considéré ses propres enfants. Voilà. Donc, c'est parce que les femmes, même si on leur dit la vérité, elles ne vont jamais. Une femme amoureuse, vous savez, on ne peut pas la conseiller. Contrairement à ce que vous pensez, oui, je supporte les hommes, je supporte... Je vous ai toujours dit que je ne supporte ni l'un ni l'autre. Il y a des bonnes personnes, des belles personnes qui existent. Il y a des hommes aimants, il y a des hommes vraiment qui respectent les femmes, qui aiment leurs femmes. Et tous les hommes que je connais autour de moi, c'est, ils n'ont Dieu que pour leurs femmes. C'est, voilà, il y en a beaucoup. Voilà. Autant il y a des bons pères, des bons maris, autant il y a des bonnes femmes. Voilà. Autant il y a des bonnes femmes. Autant il y a des mauvaises femmes aussi. Voilà. Donc moi, je ne suis pas là pour dire que, pour supporter, oui, toujours les femmes, les femmes, les femmes. Vous-même, vous connaissez. Aujourd'hui, je peux faire des lives où, voilà, je parle des hommes et leurs mauvaises attitudes. Demain, je peux me retourner et je fais... Parce que le couple, c'est ça. On ne peut pas s'adresser seulement à une seule personne. Je ne peux pas venir tous les jours, voilà, hausser les femmes, hausser les femmes, hausser les femmes. Alors que de l'autre côté, il y a aussi les hommes qui souffrent dans les couples. Vous comprenez? Non, moi, j'essaye d'être équitable parce que, de mon côté, il s'agit du couple. J'essaye toujours d'être équitable. Voilà, je peux prendre un moment, je fais assez de vidéos sur les hommes et tout, mais détrompez-vous, ne pensez pas que j'ai oublié. Ben non, il y aura une semaine où je vais prendre, où je vais faire aussi les vidéos sur les femmes, parce que moi, je parle beaucoup des couples. Je parle beaucoup des couples. Donc, faites très attention. Je vais vous raconter une histoire très proche, très proche. Excuse-moi, ma personne, je me dois de raconter cette histoire-là pour édifier les femmes. Vous savez que j'aime beaucoup les anecdotes, vous voyez. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Je vous dis, faites très attention avec les hommes, faites très attention. Je ne faisais pas le coaching, j'étais très jeune, mais j'avais déjà une vision très claire de l'homme, de la manipulation et tout ça. Donc... J'étais avec ma soeur, voilà. Elle nous a ramené quelqu'un à la maison qui veut l'épouser. La première fois, j'ai regardé cet homme-là. Dans les attitudes, je dis que ma, tu sais quoi, ton Joe-là ne m'inspire pas. Ma soeur s'est fâchée. Ah oui, tu n'as jamais aimé mes gens. Quand je ramène toujours quelqu'un ici, tu as toujours à dire. Cite-moi quelqu'un que tu as déjà aimé. J'ai dit que Marie, il ne peut pas moi te mentir. Tu n'as jamais ramené une bonne personne ici. Oui, parce que toi, tu n'as personne. Parce que j'ai dit que Marie, je veux ton bien.
moi, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Pourquoi tu ne le veux pas? Je dis qu'il ne m'a rien fait. Mais quand je vois son visage là, je ne te manque pas que le visage là me parle et je ne vois pas de sincérité dans ça. Non, il dit qu'il veut m'épouser et tout. Je dis que, pardon, il faut attendre. Le gars vient chez nous, il dit que ouais, le mariage. Je pars par derrière, je pars voir mon père, il dit que papa, j'explique à mon père, il dit que papa, quand tu vois les attitudes du gars là comme ça, quand tu vois que c'est quelqu'un qui est sérieux, mon père dit qu'il a fait quoi, il dit que, je dis que je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à chaque fois quand je dors, je rêve la tête de ce monsieur là, et il y a toujours quelque chose qui me dit que le monsieur là n'est pas bien. Oh, fait, toi tu es toujours comme ça, tu as toujours les choses que tu ramènes ici. Je dis que ok, d'accord, moi ça a toujours été comme ça, même à la maison, mes cousines ne me disaient pas les choses, parce qu'ils disaient que quand ils ramènent ça, quand je parle quelque chose, ça se gâte. Quand ils ramènent leur duo, les choses de leur duo, je parle, ça se gâte. Ça a toujours été comme ça. Donc, même ma mère n'aime pas que je parle les choses des gens. Parce que tu viens me dire quelque chose, je regarde seulement la personne comme ça, il peut y avoir défini. J'ai toujours été comme ça, toute petite, on me fouettait. Ça a toujours été comme ça. Donc, voilà comment on reste un jour chez nous. Il y a une femme qui vient sonner. Ding, ding, la femme arrive. On était à table. La femme dit qu'elle est la femme de tel monsieur. Il dit que, tu es la femme de qui, maman? Elle dit qu'elle est la femme de tel monsieur. Et pas voir mon père à table. Il dit que, papa, il y a une femme ici qui se présente comme, une fille qui est venue sonner ici, qui se présente comme étant la femme de celui qui veut épouser ta fille. Mon père dit que fais l'entrée. On fait entrer la fille, on s'assoit, on mange. Je dis que voilà, tu n'avais pas dit l'affaire ici. J'avais dit l'affaire ici que moi je rêve le monsieur là. Ça n'entre pas dans ma tête. Je n'avais pas dit l'affaire, on dit que fais tête toi. On demandait que madame, votre problème c'est quoi? La fille dit que je suis mariée avec le monsieur qui veut épouser votre fille. Je dis que ma, tu as l'acte de mariage avec lui? Elle me dit que oui, j'ai l'acte de mariage avec lui. Je dis que ma, ramène-nous ton acte de mariage. Elle ramène l'acte de mariage. Vous connaissez comme mon père, c'était un homme de Dieu. Donc on mange avec la fille. La fille commence à pleurer. Elle nous raconte comment, en fait, le monsieur, il vivait dans une autre ville. On l'a affecté ici, dans notre ville ici. Il veut épouser. Il veut épouser, voilà, déjà ma soeur. Et que c'est parce qu'elle, ça fait où c'est 20 ans, ou c'est 25 ans qu'elle avait le monsieur. C'est elle qui a tout fait pour le monsieur. C'est elle qui l'avait même payé le concours. Elle est professeure de lycée et elle n'accouche pas. C'est pour ça que le monsieur, là, ce n'est pas la première fois. Mais la fille nous a raconté toute une histoire là-bas. Nous, on est une famille très sensible. La fille a raconté toute une histoire. Mon père lui dit que ma fille, il faut rentrer. J'ai compris. C'est comme ça que je prends le numéro de la fille. J'échange avec la fille. Je ne vais pas l'accompagner jusqu'en route. Je dis que ma, faut le laisser. Tu comprends, non? Le mariage, là, ne peut pas avoir lieu. Comme tu as montré l'acte de mariage, là, que c'est ton mari, il va seulement rentrer avec toi. Reste tranquille. Le mariage là, ça ne peut pas avoir lieu ici chez nous. De toutes les façons, sache que moi, je ne ferai pas partie de ce mariage là. Moi, je peux te garantir, ça rentre ma. Les enfants que tu vois là, c'est Dieu qui donne. À cause de cette histoire là, je sors ennemie avec ma soeur. Parce que la fille, après, elle va dans le bureau au service de son mari là. Elle va faire les dégâts là-bas. Donc, ça tombe dans les oreilles de ma soeur comme quoi la fille est venue chez nous. Nous, on a même mangé avec la fille. Donc, ma soeur n'était pas du tout contente. Oui, vous pouvez me tuer ici. Vous pouvez me tuer. Donc, la fille est venue. Je dis que, mais est-ce que tu t'entends même parler? Un homme qui abandonne une femme comme ça, vraiment, tu n'as pas de cœur. L'amour de quoi? Qui abandonne une femme? Je ne suis pas dans ce mariage, papa. Il lave mes mains. Je ne suis pas moi dedans. Je ne peux pas boire et manger quelque chose d'un homme. On dit qu'il a l'acte de mariage avec quelqu'un. Il dit que non. Ou ils n'ont pas l'acte de mariage, que la fille a fabriqué. C'est un faux acte de mariage. Je dis que niec, c'est faux. La fille, elle ne peut pas mentir. Tu as d'abord dit ici. Il est d'abord venu ici chez nous. Il a dit qu'il n'avait personne dans sa vie. Il nous avait dit qu'il a quelqu'un dans sa vie. Non. Il nous a dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Non. S'il veut être polygame, pourquoi il ne nous a pas dit? De toutes les façons, moi, je ne suis pas dedans. Faites tout ce que vous voulez. Depuis ce jour-là, moi, je suis restée en contact avec la fille. Ma soeur a fait les ennemis avec moi. J'ai dit à ma soeur que le mariage là, ce n'est pas un mariage. Et je suis sûre, tel que la fille m'avait raconté, que tu n'es même pas la seule. Quand je vois la tête de monsieur là, s'il a réussi à faire ça, à t'embobiner, il va faire ça à tout le monde. Donc, toutes mes cousines, je vous dis, je n'étais même pas encore coach, mais j'ai toujours été catégorique comme ça. Toutes mes cousines, elles ont fait un clan. Comme quoi, oui, moi je suis mauvaise. Elles vont là-bas chez la fille. Elles vont abriter la fille pour la bagarre. Je les appelle au téléphone, je leur dis que mais
Moi, je ne comprends même pas vos attitudes. Ils disent que oui, toi, tu es bizarre. Tu es bizarre, laisse ce que tu fais là. Tu penses que les autres qui ont eu les maris, là, on fait comment? Il y a les maris qu'on arrache. J'ai dit que maman, à quel âge? Vous arrachez le mari à 20, vous avez 25 ans, 20 ans, ou c'est 30 ans, vous commencez à arracher le mari. Quand vous aurez 40 ans, vous allez faire comment? Je dis que ma, on m'a dit que vous êtes parti là-bas. Vous avez chassé la femme là dans sa maison. Les canapés que vous vous couchez là-bas, vous prenez territoire de la maison d'autrui. Vraiment que Dieu vous punisse. Dis tout ce que tu veux dire, dis tout ce que tu veux dire. C'est comme ça qu'elle me faisait. Hein. Je leur dis que vraiment de Dieu, ce que vous faites là, je prie Dieu que la femme la regagne son foyer et que Dieu vous punisse pour ce que vous faites là. Vous ne pouvez pas aller chez une femme. La souffrance, la femme l'a fait 20 ans avec ce monsieur-là. Le concours même là, c'est l'homme là qui a... Vous partez là-bas, vous dites à la femme, il y a aussi les femmes terribles. Hein. La femme là allait là-bas. Le monsieur dormait avec ma soeur dans la chambre. La femme dormait au salon. La femme dormait au salon. Quand je venais, j'ai dit à la femme là que ma, il faut rentrer. Tu as même un bon travail. Il y en a même qui n'ont même pas. Tu es même professeur d'école. Si tes élèves te voient en train de mendier, il dit qu'il ne veut plus, non. Ma, rentre dans ta ville. Ne continue pas à t'humilier. Tu t'humilies devant une femme comme ça. Tu t'humilies devant ma soeur comme ça. Ne t'humilie pas comme ça. Rentre. Ça ne sert à rien. Il dit qu'il ne veut pas dormir avec toi. Il dit qu'il ne veut pas dormir avec toi. Tu dis que tu as l'acte de mariage. Ma, ça va changer quoi? Est-ce que l'acte de mariage, on va attacher quelqu'un? Est-ce que c'est un enfant? Il ne veut plus de toi, marrant. Je suis allée accompagner la fille à l'agence. C'est comme ça que la fille avait quitté la ville. Je dis que arrête de marcher partout, partout, partout. Tu expliques l'histoire. Arrête d'aller bagarrer au lieu de service. Le gars dit qu'il ne veut plus. Tu t'humilies comme ça, pourquoi? Même si tu n'as pas d'enfant, tu es jeune. Qu'est-ce que tu sais de la vie de demain? Ma, faut rentrer. Si c'est ton mari, il va revenir là-bas. Mais sache que moi, en tant que la soeur de la personne qui va se marier, j'ai déjà lavé mes mains, que je ne suis pas moi dans la qualité de mariage. Cette qualité-ci-là, moi, je ne connais pas moi les choses comme ça. La fille est rentrée, non? La fille est rentrée. Le gars, pervers narcissique, il a monté ma soeur contre moi. Même bonjour, j'étais comme l'ennemi. Même bonjour, ma soeur ne me disait pas. J'étais l'ennemi juré. Monté, ta petite soeur là, elle ne t'aime pas, elle veut nous séparer. Ta petite soeur ne veut pas que tu te maries. Elle est jalouse de toi parce qu'elle n'est pas mariée. Monté, ma soeur. J'ai dit que c'est Dieu seul. Le mariage là, allez avec. Vous n'allez pas voir mon œil. Vos nourritures, vos boissons ou vos quoi là, ne venez pas avec ça chez nous. Je ne suis pas dedans. Tu comprends, non? Allez avec pâté. C'est comme ça que j'avais lavé mes mains. Le gars m'a fait, moi et ma soeur, chien et chat. Comme Dieu ne dort. Comme Dieu ne dort. Vous comprenez? Même pas 6 mois. Chercheur de femmes internationales. Même pas 6 mois. C'est d'autres femmes encore qui venaient encore faire sortir ma soeur de la maison. C'est d'autres femmes encore, même pas 6 mois de mariage ou c'est de d'autres. Les femmes venaient avec les grands enfants comme ça. Je ne peux pas compter les nombres. Je ne peux pas compter les nombres. C'est là où ma soeur me cherche et que, hey, tu avais raison ma soeur. Tu as toujours raison sur tes choses. Maman, tu as toujours raison. Est-ce que tu sais que l'affaire là me dépasse? Est-ce que tu sais que l'affaire là me dépasse? Abandonner ma soeur dans la maison avec les enfants. Les autres femmes venaient même avec leurs enfants encore et tout et tout. Abandonner. Les problèmes tous les jours avec les tisas. J'ai dit que maman, je t'avais dit quoi? Le monsieur là, c'est un sorcier. Je t'avais dit quoi? Maman, ton père vit, ta mère vit. Tu souffres comme ça par rapport à quoi? C'est comme ça que de l'extérieur, j'envoie l'argent et un camion à ma soeur que porte toutes tes choses, rentre à la maison. Porte toutes tes choses, rentre à la maison. Le type là va te tuer. Le type était parti même chez les marabouts. Il attachait ma soeur. C'est un sorcier. Vous connaissez les gens qui travaillent au haut niveau là, non? Un sorcier et tout ça. Et lui-même, il disait que j'étais attaché. J'ai dit que cette histoire, c'est... J'avais vu ça depuis. Oh. J'avais vu ça depuis. Vous avez dit que moi, quand je parle, toujours les choses, c'est gâte. Que vous ne me dites plus vos choses parce que quand moi je parle sur vos gars, ça ne marche jamais. Je dis que mais si vous ramenez tous les gars qui ne sont pas bien. Parce que moi quand j'étais jeune, je n'ai jamais ramené quelqu'un chez nous. Hein. Non, ma mère même, on me connaît comme ça chez nous. Moi je vous ai toujours dit, moi je fonctionnais, ça c'était quand j'étais jeune, en sous-marin. Moi je ne sais pas le genre que j'ai rencontré quelqu'un, oh que c'est y a le marin, marin de quoi. Moi c'était sous-marin. C'était moi sous-marin, en cachette, en cachette. Je ne suis pas la carte de personne que j'ai avec quelqu'un là, je commence à marcher partout, 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 partout.
comme Dieu sait faire ces choses, Dieu a sorti ma soeur de cette histoire-là pour vous dire que faites attention. Il y a les gens qui disent quand il y a une situation que celle-là a perdu. Perdre quoi? Perdre qui? Il y a les gens, donc tous les hommes ne sont pas faits pour le mariage. Hein. Tous les hommes ne sont pas faits pour le mariage. Pour que je sorte ma soeur de ce foyer-là, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça pour sortir ma soeur là-bas. Le gars avait enraciné. Donc, c'était comme si quand ma soeur me voyait même, c'était comme si il manquait même qu'elle peut même me découper. J'ai fait comme ça pour sortir de ma soeur là, ma soeur là-bas. Mm-hmm. J'ai fait comme ça. Faites très attention. Hmm. Il y a les hommes ici, il faut les laisser partir. Il y a les hommes qui entrent dans ta vie, ils vont seulement te détruire. Il y a les hommes qui entrent dans ta vie. Maman, tu vas croire que tu es mariée, tu t'es mariée à Lucifer. Oui, tous les hommes ne sont pas faits pour le mariage, comme ce monsieur-là. Comme ce monsieur-là, il a fait souffrir les femmes comme ça, comme ça, comme ça. Il fait les enfants partout, il abandonne. Il fait les enfants partout, il abandonne. Tous les jours, c'est telle mère qui vient avec sa part d'enfant. Il fait les enfants, non. Tous les hommes ne sont pas faits pour le mariage. Tous les hommes. Et ce genre d'homme-là, il y a toujours les femmes qui bagarrent pour lui. Moi, je suis étonnée. J'ai dit, vous bagarrez pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Ce genre d'homme-là, il ne mérite pas une femme. Ben non, il ne mérite pas une femme. Vous bagarrez pour qui? Pourquoi comme ça? Hein? Pour l'ABC. Tu bagarres pour ta propre mort. Comme ma soeur n'est pas morte dans ce foyer-là. N'est pas morte dans ce foyer-là. Comme on a pu récupérer le corps. On a pu récupérer ma soeur dans ce foyer-là comme ça. Hein? C'est Dieu qui est vivant. C'est Dieu qui est vivant. Parce que j'avais seulement dit que tous les jours qu'il racontait mon nom, il disait que moi, ça reste ma soeur. Je n'ai pas deux, je n'ai pas trois. Un jour, Dieu va faire que la fille-là ouvre les yeux. Non, ça, c'est pas un homme, ça. Non. Tu ne peux pas accepter ce genre d'humiliation. Tu ne peux pas accepter ce genre d'humiliation. Je dis que maman, tu acceptes quoi comme ça au nom du mariage? Il y a les humiliations, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter qu'on humilie une autre femme. Tu me dis que je m'associe à ça. Maman, ou je crois en Dieu ou je ne crois pas à Dieu. Je refuse ça. Mon père même a dit, tous les parents ne sont pas comme ça, non. Mon père a dit, je refuse ça. Je ne peux pas accepter cette femme-là. Ce monsieur-là, il est marié. Cherche ta part de mari. Tu dis que tu nous oublies à cause de ce monsieur. Maman, tu vas revenir ici, nous trouver à la maison ici. Eh oui, il y a des hommes, non? Eh oui, on ne peut pas accepter qu'on humilie. Si beaucoup de femmes faisaient ça, les hommes ne pourraient pas se comporter n'importe comment. Mais aujourd'hui, les femmes éprouvent du plaisir. Moi, j'ai vécu une scène encore dernièrement à la mairie où la famille a refusé de se marier, où le mari a demandé, est-ce qu'il y a une femme ici qui est prête pour le mariage? Il y a une fille qui s'est levée pour signer. Et il y en a comme ça, des femmes sans valeur. Il y en a comme ça, pleines. Elles n'ont pas de cœur. Après, elles disent que solidarité féminine. Quelle solidarité féminine? Vous pensez que les hommes, c'est vos ennemis? Comme je dis toujours, votre propre ennemi même, c'est la femme. C'est entre vous-même, les femmes. Les femmes ne s'aiment pas. Vous ne vous aimez pas. Mm-hmm. Combien de femmes vont aller chez un gars, trouver une autre femme et laisser? Et se dire que bon, comme elle a passé plus de temps avec le gars, je laisse tomber. Combien vont le faire? Elles vont bagarrer, elles vont vouloir même aller chez le marabout, empoisonner pour rester. Maman, tu es arrivé quelque part, tu trouves une femme, elle a souffert avec un homme. L'homme dit qu'il t'aime. Maman, laisse-le. Qu'il aille avec sa main chanceuse. Bah oui, faudrait pas qu'une femme pleure à cause de toi. Ben laisse tomber. Faudrait pas qu'une femme pleure à cause de toi. Combien de femmes vont le faire? Il y en a là plein, les tisas comme ça. À cause d'elles, les épouses pleurent dans les maisons. À cause d'elles comme ça. Oui, à cause d'elles comme ça. Les hommes ne payent même plus la scolarité. Ne payent pas la scolarité pour leurs enfants. Elles sont contentes. Ça fait, elles sont fières, elles se réjouissent, elles tapent même la poitrine, c'est moi qui l'aime, je suis sa préférée, elles sont contentes. Vous ne devez pas vous réjouir, chez mon fiou, vous ne devez pas vous réjouir. Ça peut vous paraître bizarre, mais je vous jure que je me lève un matin, une femme vient me dire que ton mari, là, il a fait les enfants, il a fait comme ça. Je comprends que tu as fait ton choix, je te laisse, tu parles. Je comprends que tu as fait ton choix, la vie est trop simple. Je comprends que, ça veut dire que, papa, si tu es parti mais ton père, quand tu as fait les enfants là-bas, tu as logé une femme et tout, tu as même fait l'acte de mariage derrière mon dos, papa, tu as fait ton choix. Est-ce qu'il y a encore un débat? Ça veut dire que tu as choisi, mais combien de femmes le font? Aujourd'hui, on parle de l'infidélité, polygamie et tout. Tant qu'il y aura des femmes stupides, excusez-moi, hein, qui acceptent n'importe quoi, les hommes vont continuer de nous rouler. Les hommes vont continuer de se prendre pour les tout-puissants.
certains hommes. Tant qu'il y aura des femmes, on parle de l'infidélité, les hommes la trompent avec qui? On parle des teasers aujourd'hui, les hommes la trompent avec qui? On parle des épouses qui meurent, qui pleurent de chagrin. Mais venez en Afrique, vous allez voir le wonderful. Le wonderful, c'est man. Je dis que c'est le wonderful en Afrique, c'est man. Les hommes absents à la maison. Ils sont le matin, ils viennent qu'à 2h du matin. Ils sont où? Ils sont chez les maîtresses. Ils sont où? C'est le wonderful en Afrique. C'est pas le mariage, c'est l'esclavagisme, même la souffrance. Ils sont où? Absents. Aucun respect pour leurs femmes, ils n'ont aucun respect. C'est-à-dire. Ah, non, 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 non. Mais tant qu'il y a des femmes qui acceptent. Hein, pourquoi les hommes persistent dans certaines positions? Mais parce qu'ils savent que si toi tu n'acceptes pas, maman, il y a une autre qui est prête à accepter, même gratuit. Il y a une autre qui est prête à accepter. C'est vous, vous dotez les hommes, vous les nourrissez, vous les habillez, vous faites ci, vous faites ça. Et après vous vous étonnez, oh les hommes ne nous respectent pas, les hommes ne nous respectent pas. Si vous voulez que les hommes nous respectent, nous accordent la valeur, commencez par bien vous comporter. Commencez par avoir des attitudes qui inspirent le respect. Oui, arrêtez de mendier l'amour. C'est de la mendicité ce que vous faites. Oui, arrêtez de mendier l'amour. Arrêtez-le au fond de vous. Ne le dites pas seulement en journée sur les posts, les statuts. Je suis ci, boss les dit, je suis ci, je suis ça. Alors que dans la nuit, vous les harcelez au téléphone. Vous les appelez. Oui, les teasers. Vous harcelez les hommes mariés. Il faut voir ici en Afrique. Vous harcelez les hommes mariés à 22h, 23h. Tu appelles un homme marié, tu le harcèles. Maman, même pour le bien de sa femme. Il y a des choses, même quand un homme te permet, tu dois refuser de le faire. Même lorsque tu sors avec un homme marié, il te permet de faire certaines choses. Maman, il faut avoir du respect pour sa femme. Il faut refuser parce que tu es une femme. Tu es tisa aujourd'hui, mais demain tu vas te marier, non? Demain tu vas te marier. Alors ne fais pas autrui, c'est que demain si on te fait toi-même, tu ne vas pas aimer. Demain tu vas te marier, non? Voilà. Donc c'est comme ça. Les choses ne vont jamais changer si vous-même vous ne changez pas. Les choses ne changeront pas par une baguette magique. Non. C'est lorsque la femme va prendre conscience de qui elle est, de sa valeur. Et c'est ce dont nous travaillons dessus en formation. On a commencé la formation dimanche dernier. Oui. Parce que quand tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas pourquoi tu es né. Il y a de quoi. Vous vous vendez comme ça moins cher. Moins cher. Oui. Haussez un peu même les standards. Comment les hommes vont nous respecter? Moi, je pose toujours cette question-là. Comment ils vont nous respecter? Si vous-même, les femmes ne se respectent pas. Les femmes aujourd'hui sont prêtes à doter. Elles sont prêtes aujourd'hui à donner l'argent. Oui, il va me doter. Oui, il va me faire ceci. Comme tu n'as pas un peu d'argent. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Elles sont prêtes à tout, à contribuer, à équiper les maisons. Et après, elles se plaignent. Les fondations sont fausses. Lorsque les fondations d'une relation sont fausses, les bases sont fausses, mal structurées, maman, ne t'étonne pas, le respect, le manque de respect, le mépris est à côté de toi. Le mépris n'est pas loin. Il va te mépriser. C'est juste une question de temps. Les hommes d'aujourd'hui avaient leur bouche. Les hommes aujourd'hui avaient leur bouche. Il va te mépriser. Eh oui, c'est vous aujourd'hui. Vous offrez des choses aux hommes que vous-même, vous ne pouvez pas vous en offrir. Vous offrez les grands parfums alors que vous-même, vous n'achetez même pas un parfum de 50 euros pour vous. Vous offrez à vos soi-disant belles-mères les gros trucs que vous-même, vous n'offrez pas à vos propres parents. Vous n'offrez pas à vos petits frères, vos petites soeurs. Mendiez l'amour. Mariez-vous bien. Le mariage, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas aller croire là que vous savez très bien que moi, peut-être l'homme, c'est le mariage, la vie de famille. Voilà, le mariage c'est une très bonne chose, mais pas à n'importe quel prix. Mariez-vous bien. Pourquoi le mariage? Parce qu'on ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour souffrir. Pourquoi vous souffrez beaucoup aujourd'hui? Les fondements, les bases sont fausses. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous l'avez connu? Comment vous vous êtes marié? C'est vous qui l'avez épousé. C'est vous qui l'avez demandé à mariage. Vous vous êtes imposé dans sa vie. Oui, oui, vous avez pris vos habits. Vous avez commencé à aller les week-ends, aller déposer. Vous avez commencé à lui faire les enfants. Il s'est retrouvé dans l'obligation, voilà, par reconnaissance, pas par amour, hein, par reconnaissance de vous épouser. Comment vous êtes marié? Comment vous avez réussi à être ensemble? C'est très important. Voilà les bases. Voilà les fondations. Oui. Voilà les fondations parfois qui manquent à beaucoup. Oui, qui sont très souvent fausses. Et c'est pourquoi les femmes souffrent dans les foyers. En tout cas, faites attention. Laissez-moi boire mon gingembre d'abord. Sophie, c'est ça même. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. C'est l'homme qui épouse la femme.
Et comme je le disais déjà, les hommes savent les femmes qu'ils veulent garder. Ils font semblant, mais ils savent très bien ce qu'ils veulent. À un certain moment, quand tu fais un certain nombre d'années avec un homme, il sait s'il veut faire de toi son épouse ou pas. Il le sait. Dès les premières semaines, les premiers mois, l'homme sait s'il veut te garder pour épouse. On a beau dire aux femmes, elles ne comprennent pas. Faire les enfants avec un homme ne signifie pas qu'il va t'épouser. Un homme peut vouloir avoir des enfants avec toi, mais pas vouloir faire de toi son épouse. C'est deux choses différentes. Il peut vouloir faire de toi cette femme avec qui il passe du bon temps, mais pas forcément faire de toi son épouse. Il peut vouloir sortir avec toi tous les jours, mais pas forcément faire de toi son épouse. Et voilà pourquoi vous voyez ces hommes-là avec des femmes en concubinage, 20 ans, 15 ans et tout. Ils ne pensent, ils ne rêvent jamais mariage. Ils sont toujours dans le rythmage. Ils sont toujours dans le rythmage. Ils veulent, ils aiment avoir les enfants avec cette femme-là, mais ils ne la veulent pas pour épouse. Oui, il ne la veut pas pour toute une vie. Il la veut pour mère d'enfant. Oui, la mère de mon enfant. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça que les femmes refusent de croire. Oui, parce que nous, lorsqu'on fait des enfants avec un homme, on met le cœur et tout, on l'aime, on se dit, c'est voilà, on s'imagine déjà le futur. Les hommes, c'est pas ça. Tu peux donner 15 enfants avec un homme, ils ne rêvent pas mariage avec toi. Non. Les enfants ne rattachent plus un homme. Les enfants ne rattachent pas. Oui, ils ne rattachent pas l'amour d'une femme avec un homme. Non, il va aimer les enfants, mais il va jamais toi t'aimer. Il va t'apprécier, il va avoir de l'affection pour toi, mais l'amour, non. Vouloir te garder toute une vie, non. Voilà. Donc, c'est à toi de prendre conscience, de savoir ce que tu veux. Si tu continues de faire les enfants, tu dis, non, oui, quand j'aurai 10 enfants, il va finalement m'épouser. Il peut t'épouser par reconnaissance, mais ce ne sera pas par amour. Et lorsqu'il te pose par reconnaissance, bah, il commence à chercher les femmes dehors, comme vous voyez là. La plupart, c'est ça, non? Il commence à chercher les femmes dehors. Voilà. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention, les filles. Arrêtez de dire à cette femme-là qu'elle a perdu. Elle n'a rien perdu. Elle n'a rien perdu. La vie continue. Voilà. Elle n'a rien perdu. Surtout ce genre de mec-là. On ne pleure pas pour ce genre de mec. On ne pleure pas pour tous les hommes. Hein. On ne pleure pas pour tous les hommes. Il y a des séparations, comme je dis souvent, dont on doit fêter même. Il y a des séparations qui doivent être célébrées. Et parfois, je dis souvent, vous dites à Dieu, Dieu, donne-moi, Seigneur Dieu, prouve-moi si c'est l'homme de ma vie. Ben, voilà. Parfois, Dieu vous prouve, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? Parfois, Dieu vous prouve comme ça que c'est l'homme de votre vie, que ce n'est pas l'homme de votre vie. Dieu vous prouve comme ça. Ce genre de séparation-là, il faut boire du champagne. C'est vrai que ça fait mal, mais après, tu prends conscience que ce n'était pas ton homme, ce n'est pas l'homme de ta vie. Il faut prendre conscience. Ça fait mal, c'est vrai. Et puis te relever, recontinuer. La vie continue. La vie continue. Moi, je dis toujours, tout le monde ne va pas se marier et la vie non plus ne va pas s'arrêter. La vie ne s'arrête pas. Oui, la vie ne s'arrête pas. Que tu sois célibataire ou marié, tu dois vivre, tu dois t'épanouir. Ben oui. Oui. Les gens disent que oh, elle a perdu quoi? Ah. Oh, parce qu'elle va redevenir tisa de ce monsieur. Elle n'est pas obligée de continuer sa vie avec ce monsieur. Elle n'est pas obligée de continuer de sortir même avec ce monsieur. Non. Un homme qui t'a humilié, tu dois le mettre à la poubelle et continuer ta vie. Vivre ta vie et vivre, voilà, pour élever tes enfants et tout ça. La vie, c'est aussi ça. Est-ce que la vie se limite qu'au mariage? Est-ce que la vie se limite que... Je ne sais pas. Vous comprenez? Il y a des séparations. Si moi, je faisais partie de cette famille, on allait ouvrir le champagne. Ben, c'est Dieu qui a montré que voilà, c'est un mauvais mari. C'est Dieu même, voilà ça. Les signes qui prouvent que, maman, ça ne va pas te laisser après. Les signes qui prouvent que ça ne va pas te laisser. Ma bouteille de champagne est prête. Ben oui, il y a des séparations, tu dois te réjouir. Il y a des séparations, tu dois te réjouir. Quand ma soeur s'est séparée du voyou dont je vous parle là, mais j'ai fêté ça jusqu'à... C'était comme si j'avais fêté ça jusqu'à... J'ai dit que merci mon Dieu, gloire à toi. J'ai toujours dit que cette histoire-là doit... Mais non, mais... J'ai dit que merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Dieu. J'ai retrouvé aujourd'hui ma soeur joyeuse, pimpante, jusqu'à elle vient même parfois vouloir écrire. J'ai dit que tu écris à qui? À moi. Tu peux parler à une femme. Tu écris à qui? On se connaît, toi. On se connaît. Je traite avec ce genre d'homme-là.
les hommes qui méprisent les femmes. Je n'ai très très rien avec les hommes qui méprisent les femmes. Hein. Tu es un homme, tu méprises les femmes, on ne peut pas être ami, on ne peut rien causer. Tu es un homme, tu viens chez moi, tu me présentes une femme, que c'est ta femme. Tu reviens demain avec une autre, je te dis qu'elle ne revient plus chez moi. Moi, je ne suis pas dans les choses là. Ben oui, je te dis qu'elle ne revient plus chez moi. Mm-hmm. Les choses que les hommes font là, on part chez telle personne avec quatre copines différentes. Je dis que non, ne reviens plus chez moi. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Mm-hmm. Il y a des séparations là, vous buvez le champagne, vous célébrez. Parce qu'il y a les hommes là, ils sont pires que coronavirus. Il faut vivre ça pour comprendre. Quand tu n'as pas encore vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Il faut vivre ça pour comprendre. Il faut vivre ça pour comprendre. Ma soeur est heureuse aujourd'hui, épanouie. Épanouie jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Je dis que, pardon. On dit que vous perdu. Perdu quoi? Perdu quoi? Il y a les hommes là qu'il faut perdre, maman, pour avoir ta paix du cœur. Alors, ça faisait un moment, hein. Je voulais vous faire un coucou. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, nous avons toujours notre groupe WhatsApp qui est opérationnel. Il y a encore quelques places. Ouais, il y a quelques places. N'hésitez pas si vous voulez. Voilà, si vous voulez vous inscrire, intégrer le groupe. Il est gratuit. Hein. Voilà, écrivez-moi une bosse. Les séances de coaching privé continuent. Voilà. Coucou Capri Sonia. Coucou. Coucou Jackie. Coucou Sophie, coucou Pauline, voilà, les séances de coaching privé continuent. Ce qui est bien avec le digital, c'est qu'on peut travailler de partout. On peut travailler de partout, de là où on se retrouve. On peut travailler partout et c'est ça qui est bien, voilà. C'est ça qui est bien avec le digital. On peut travailler de partout et c'est ça qui est bien. Donc, les séances de coaching continuent. Notre formation, nous avons commencé dimanche dernier. Voilà, les filles, donnez-vous de la valeur, s'il vous plaît. Les hommes respectent les femmes qui se respectent. Ça, je le dis toujours. Les hommes respectent les femmes. Hein. Les hommes savent à qui faire leur chichi là. Hein. Les hommes savent généralement à qui faire leur micmac là. Il y a des femmes à qui ne font pas ça. Les hommes savent. Quand il t'a testé déjà, il sait que ah, toi tu es le genre qui dit tous les jours, je vais prendre mes bagages pour partir, il rentre, il te trouve toujours. Il dit que c'est là. Toi tu es le genre, tu parles trop, mais les actions ne suivent pas. Il dit que ah, c'est là. Tu es le genre, tu dis tous les jours que je veux sortir des aides maison aussi. Il rentre du travail, il te trouve encore niais. Tu es toujours intact. Tous les jours, tu dis que je veux rentrer, je veux partir, je veux partir. Ça fait des mois, tu dis ça, il rentre toujours, il te trouve. Il sait que ah, c'est là, c'est le boucan. Celle-là, c'est le boucan. Les hommes savent à qui ils font leurs choses là. Donc, c'était pour vous faire un coucou. Je vais vous laisser. Kempa Virginie, Virginie, merci beaucoup. Merci ma reine. Merci de te préoccuper de moi. Merci. Franchement, je te porte dans mon cœur. On ne s'est jamais vu. Mais vraiment, merci beaucoup pour l'amour que tu me portes, l'amitié. À chaque fois, tu viens aux nouvelles. Je vais très bien. Tu as vu que tu n'as rien raté. C'est juste que ça fait un moment, quelques semaines, je n'ai pas fait de live. Merci beaucoup, Virginie. Merci ma reine. Merci, c'est gentil. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Pour intégrer le groupe WhatsApp, vous me contactez tout simplement. Vous me contactez tout simplement pour intégrer. Vous aurez le lien. Vous aurez le lien. Maman, on ne met plus le lien sur Facebook. Maman, on avait mis le lien disponible pour tout le monde sur Facebook. Maman, je ne sais pas où les administratives, là, mes reines, là, elles étaient. Je me suis levée le matin, je vois les appels. Peut-être, il y a quoi? J'ai dit que, il y a quoi? Et ce qui m'avait fait rigoler, c'est que je vois certaines reines même qui me disent que, fait-elle, vraiment, on ne savait pas que tu étais comme ça, hein? Vraiment, je n'ai même pas répondu ce genre de message. On ne savait pas que tu étais comme ça, vraiment, fait-elle. Nous, on aime la Bible, nous, on suit la Bible. Je dis que, vraiment... Quand vous me voyez là, ça veut dire que c'est des personnes, vous me suivez, mais vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas mes valeurs. Vous ne... Ça veut dire que j'ai dit que même, c'est même des personnes qui ne me suivent même pas. Ben oui, est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui me suit peut douter des valeurs que moi je prône?
Hein? Des valeurs que moi je prends. Le fait qu'on a mis le lien comme ça, le lien WhatsApp là, les marabouts ont envahi, je ne sais même pas comment ils ont fait. Ils ont envahi le groupe. Mais tu ne peux ni les bloquer, je ne sais pas comment ils font, tu ne peux ni les bloquer, tu peux ni les enlever, tu peux même pas. Ils ont envahi, mais ils mettaient de ces choses, ça faisait même peur, c'était horrible. Moi j'ai cliqué une fois sur une vidéo, je n'ai même plus cliqué, des trucs de magie et tout, ça faisait peur. Donc quand je voyais certaines personnes, et Dieu merci, heureusement qu'il y a des personnes là qui me suivent depuis des années, qui m'ont dit, ah Fethel, on sait que vraiment toi tu n'es pas dans les choses comme ça, ces gens là c'est les qui ça, machin, truc, tout ça. Vous voyez, mais ça me faisait rigoler ces reines-là qui venaient. Ouais, Fethel, vraiment, nous, on suit Dieu. Vraiment, les histoires de marabouts, j'ai dit que maman, c'est arrivé là-bas. Donc, toi, tu penses que moi, je vous mets dans le groupe internet pour une association de marabouts. Moi, Fethel, je n'ai jamais mis mon pied chez un marabout. Devant Dieu, c'est pas la rigolade. Ha! Je n'ai même pas répondu. Ce genre de message-là, j'ai dit que non, mais c'est abusé même. Donc, du coup, on a nettoyé et tout ça. Moi, je voulais même supprimer parce que c'était de trop. Je voulais supprimer pour qu'on recrée. Donc, il y a les reines qui m'ont conseillé que non, ça ne sert à rien de supprimer. Tu sais, c'est les choses qui arrivent et tout. On va essayer de régler ça. Laisse tomber, coach, ne te dérange pas. Nous, on va gérer et tout ça et tout. Et elles ont géré, elles ont nettoyé tout ça, machin, truc. Et on est dans le groupe. Ces gens-là n'ont plus accès. On a supprimé également les liens de partout là où c'était publié. Donc du coup, il faut contacter Inbox pour avoir le lien, pour intégrer. Voilà, c'est un peu ça. Je vous fais de gros bisous. Vous m'avez tellement manqué. Je vous fais de gros bisous. C'est les vacances. Et moi, je vous ai toujours dit, les vacances, moi, je bouge beaucoup. Donc, si vous ne voyez pas, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais bien. Voilà, c'est les vacances et tout, c'est l'été, on profite un peu. On fait le tour de l'Afrique. Allez, bisous à vous, bisous, à très bientôt. Hein.